Zavuda. Et ce Satan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le tuto de la TNT pour les noobs. N'est-ce pas, ce Satan? Ouais, je suis là. Alors, pour commencer, nous allons vous présenter. Attention, la résistance aux blocs, des blocs par rapport à la TNT. Enfin, pour la TNT, ouais. Je ne saurais pas trop dire. Alors, on va se mettre en game mode 0. Game mode 0. Et je prends un briquet. Je peux allumer les TNT. Ouais, bien sûr, si tu le souhaites. Tiens, alors dans ce cas, prends un briquet, Satan. Oui. Tiens, attends, j'éteins. C'est bon. Sachez que cette map a été créée par nous. Donc on va commencer par le vert, la résistance de la TNT sur le vert. Vas-y. Mince. Ah, bon. J'ai pas posé un bloc. Et voilà, elle est nulle, c'est-à-dire que tout a cassé. Ok. Enfin, par là, je veux dire, ça a tout cassé le bloc, donc... La TNT peut faire péter un gros bloc de verre d'une épaisseur de 2. Ouais, bah on va dire un bloc de 1, 2, 3. Mais attends! Oh, trop tard! C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et maintenant la résistance du bois, qui l'a fait péter un peu dans tous les sens. Sauf que en fait, il y a juste les contours un peu qui restent. C'est... Ouais, voilà. C'est assez bizarre, mais bon. Donc maintenant, on va passer à la Netherrack. Vas-y, viens, ce Satan. J'active ? Ouais. Tac. Voilà, elle est nulle. Ça pète tout, hein. Et maintenant, celle de la roche. Ah bah, on est un petit peu trop loin. Je vais créer un petit escalier. Voilà. Un petit escalier fait vite fait. Alors, sachez que la résistance de la roche est pareille pour... la pierre taillée, la roche, les demi-dalles, etc. La cobblestone. Ouais. Vas-y, c'est parti. Tout ce qui est pierre, c'est pareil. Ah, je suis tombée. Ah, moi aussi. Alors là, vous avez remarqué, ça n'a même pas cassé l'extérieur du cube. Et nous allons vous montrer pourquoi. Bah, game mode 1. Non, t'inquiète. Voilà. Oh, donc, c'est voilà. Beau. C'est bien fait, hein. Ce qui fait que, normalement, voilà, ça fait un trou de 1, 2, 3, par 3, 3 par 3, une TNT dans de la roche. Donc maintenant, nous allons passer au canon humain à TNT. C'est pas celui-là qu'on doit utiliser, pour le moment. Bon, bah, voilà, ça tend. On commence par lequel ? Celui-là ? Je sais pas, celui que tu souhaites. Alors, ouais, ok. Alors, un double raté, un peu. Je prends de la TNT. Nous allons... Enfin non, il est pas raté parce qu'il ouais. Te fait envoler, mais... Alors c'est une... Non, faut commencer par me poser la TNT en bas. Ah, il faut en poser en bas aussi. Et oui, c'est pour ça que c'est un double un peu raté. C'est une façon de faire des doubles un peu bizarre. Nous montrerons une deuxième façon de faire des doubles. Nous montrerons comment la crafter. Sachez que dans un double, automatiquement, en game mode 0, on meurt. Bah Satan, je te laisse faire l'expérience en te mettant en game mode 0. C'est fait, t'inquiète. J'ai pris un stack de l'autre truc là. Attends, il y a du verre qui a spawn parce que nous sommes dans un biome où il fait plutôt froid. Enlève-toi, s'il te plaît. Voilà. Et attention. Moi, je suis en game mode 0. Moi, game mode 1. Je suis même pas mort. Oh, yeah, ça fait envoler super méga haut. Hein. Ah, raté. Ouf, yes. Raté. Ah, t'es pas mort? Non. Et pourtant, t'étais bien en game mode 0. Ouais. Ah, donc avec. À quel moment la TNT double comme ceci. On meurt pas en game mode 0. Ah non, je sais pas. C'est quoi ? Autrement, un canon à TNT double comme celui-ci. Tu viens, ce Satan ? J'arrive. C'est vrai que t'as pas le game mode 1. Ah, une TNT, attends. Ah. J'ai oublié de désactiver le système. Autrement, celui-ci, vous allez voir, automatiquement, game mode 0, nous mourrons. Bon, je vais activer la TNT en m'envolant. Et c'est parti! Je suis même pas mort. Ah bon? Ah bah, ça devait être un bug la dernière fois. Encore un canon à côté. Tous les canons à TNT, ils marchent, hein. Bah voilà. Ah et bah donc, comme vous pouvez le constater, vous pouvez augmenter... vous pouvez faire des canons à TNT d'autant d'étages que vous souhaitez. Sauf que là, nous, on n'a pas pris le temps de le finir. Nous, il montrait encore comme ça.
Enfin, là, je vous ai montré de la TNT. Et au bout d'un moment, tellement vous le faites haut que pour réussir à viser le bon trou juste au milieu, ça devient dur. Celui-là, maintenant... franchement, j'ai galéré à le faire, mais il marche pas. Maintenant, nous allons vous montrer comment faire un canon à TNT, le craft. Pourquoi ça marche pas, slash time at 0? Non, c'est slash time 7-0. Ah. Pardon. Alors, non, Satan, je te laisse mettre le jour. Moi, je vais vous montrer comment crafter un canon à TNT. Pour cela, je vais me mettre en game mode 0 et vous montrer les crafts. Alors, pour commencer, vous devrez prendre des seaux d'eau. Ah mince, de la roche aussi, pardon. Voilà, alors vous allez pour un simple, hein, bien entendu. Donne-moi la moitié, comme ça je t'aide. Voilà. Tiens, ça tend. Vous posez de la roche sur les côtés. Ainsi. Ah mince, je vais prendre une pioche. Tu peux casser ce bloc, s'il te plaît, pendant que je continue. Oh mince, je me débloque partout. Attends, je vais mettre game mode 1. Reste. Voilà. Alors vaut mieux ne pas se fail si vous êtes en game mode 0 et pas de pioche. Oh non. J'hallucine, celui-là on le pète à la main. Bon d'accord. Non, c'est bon. Maintenant vous allez positionner des seaux d'eau un peu partout en bas. Sauf au milieu. Si, même au milieu en fait. Voilà. Partout. Pour que l'eau elle soit bien stable. Ouais, ça fait une source infinie. Mais pourquoi t'as posé un bloc? Je sais, mais je vais le casser, ça va remettre normal, t'inquiète. Ouais. Alors je remplis vite fait mes seaux d'eau. Voilà. Je repose mes seaux d'eau. Je repose la stone. Ensuite, vous prenez de la redstone et un levier. On va faire une petite montée ici. Voilà, pour toi s'il te plaît, attends, merci. Donc vous posez un levier ici et de la redstone tout autour. Après, je vous montrer comment j'ai fait pour faire celui-là, là. Celui que j'ai fait et qui est trop puissant. Voilà, un double. Ensuite, on vous montrera depuis la base de celui-ci comment faire un double. Oh, ça m'énerve cette glace. Bon, attends, voilà. Je passe la TNT. Voilà, place donc la TNT, ça tend. Et tu peux activer quand tu veux. Ah bah, pas besoin de... Je repose tout ce que j'ai sur moi. Wouhou, ça... Ah, game mode 0, hein. Attention. Oh, ça envole pas très haut, hein. Oui, eh bah, je suis mort. Ah bah, maintenant, je suis coincé dedans. Donc, pour en sortir, à moins de faire un trou là et ensuite une échelle pour en sortir sur le côté, il n'y a pas trop de moyens. Et maintenant, nous allons vous montrer comment faire un double. Je peux le créer. Oui. Ouais. Il faut élargir sur les côtés. Attends, juste 2 secondes. Ah bah, attends, je sais même plus trop comment est-ce qu'on fait un double, en fait. Tu veux pas le faire ici, le double? Sur la base du simple. Ok, non, je regardais juste un truc. Sur la base du simple, normalement, tu es censé pouvoir faire un double, non? Non, je vais en créer un autre, c'est mieux. D'accord. Donc nous allons suivre The Satan. Et vous montrer comment faire. 7 de chaque côté, 2, 3, 4. 2, voilà. 3, 4, 5, 6, 7. 7 par 7. C'est bien ça, Satan? Oui, c'est ça. Vous faites un cube 7 par 7. Ensuite, vous faites un intérieur. Enfin, comment dire, une sorte de doublure une à l'intérieur. Diagonale. Ouais. 5 par 5. C'est bien ça? Bah attends, je compte. Oui, 5. 3, 4, 5. 5 par 5. À l'intérieur. Attends, ensuite... j'ai juste. Ok, rien. Non, ensuite, rien. À l'intérieur, vous positionnez les seaux d'eau. Attends, non. Pas maintenant. Il faut creuser dedans. Ah bon? Ouais. Ah oui. Parce que sinon, ça fait un simple. Et non pas un double. Bah attends, j'arrive même pas à sélectionner mon item. Voilà. Je peux mettre de l'eau partout. C'est bon. Voilà. Maintenant, la redstone et le levier, et ensuite la TNT. Donc c'est peu coûteux de faire un canon à TNT, mis à part en TNT, où là c'est vraiment chiant à chaque fois de le remplir si vous êtes en mode aventure ou survival. Enfin, survival, en fait, c'est pas trop possible. Si. Bah non, parce qu'en survival, on peut pas casser de bloc. Ouais, non, c'est en aventure qu'on peut pas. Ah oui, pardon. Non, t'inquiète pas, on te pardonne. Qu'est-ce t'as fait? C'est moi? Oui, c'est toi. Ah, pardon. C'est pas grave. Fait à ne pas faire. Et maintenant, la TNT. Hop,
Hop, hop, hop, hop, hop. Et je vais T'es donc me prêt? mettre en... Attends, en game mode 0 pour vous montrer ce que ça fait. Normalement, on est censé mourir, non? Non, non, ça devait être un bug ou je sais pas si on meurt. Allez. Ou peut-être des fois on meurt et des C'est fois on meurt parti! pas, je sais pas, franchement. Eh ben non, on meurt pas. Oh, j'ai Oh! mouru. Pareil. Non! Non! Ah ouais. Voilà, donc un On joli petit canon à TNT. abandonne. Nous avons décidé de décorer. Et donc voilà, ça sera pour tout pour ce super tutoriel. La Bah TNT tient les attends, on nous. finit pas par le mini-jeu? Ah oui, mince, le mini-jeu, pardon. Donc nous allons faire un petit mini-jeu pour clôturer ce petit TNT, ce petit. Tuto? Voilà. Le but sera d'aller chercher le diamant se trouvant dans ce coffre. Y a plus d'eau? Bah ouais, parce que ça glace. C'est pas grave, je remets de l'eau. Alors on n'a pas le droit au game mode 1, c'est pour ça que j'ai fait un spawn point ici. Comme ça à chaque fois on retombe ici. Et d'ailleurs je vais poser un coffre. Vite fait. Coffre. Un coffre. Ah mince, je l'ai jeté. Tu veux que je mette de la TNT dedans? Où ça? Dans le coffre. Comme Ouais, ça je on veux n'est bien. jamais en rab de TNT. Plus de saleté de glace, enlève-toi. Voilà. Je pense que En c'est fait, assez tu ramasses sûr. toute la TNT. Hein. Quoi? Toute la TNT que t'as lancée, tu la ramasses. Ouais, c'est pas grave, ça va suffire normalement. Et va game mode 0. Mince! Quoi? Rien. Oh non. T'as éteint le feu, non? Oui. Ouais, c'est pas grave. Attends. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire comme ça. Attends, t'as vu, je suis un pro, moi. On va prendre un flint and sel. Game mode 1. Un briquet. Et game mode 0. Moi, je commence déjà à positionner les TNT. Hop. Oh punaise. Ah, la TNT, elle cramait. Ah mais oui, parce qu'en dessous, il y a le feu. Non, en fait, éteins le feu. L'éteindre. Ok, bah attends. Bah voilà, ah oui, c'est C'est ça plus rapide justement. comme ça. Je voulais vous montrer que le feu pouvait activer la TNT comme ceci. Bah le briquet tout à l'heure, il activait la TNT, donc forcément. Et aussi, petite aussi autre chose, un œuf de creeper, vite fait. Petit œuf de creeper, creeper. Et un briquet. Briquet. Bon, je sais, là, je l'ai réparé à la Ah one oui, again, mais c'est on est pas un zone grave. paisible. Facile. Et voici un creeper que nous allons allumer avec un briquet. Ça Et voilà. marche? Ouais. Alors que j'étais en game mode 1. Hein. Donc ça veut dire What the fuck? qu'il ne me voit pas. Ah si, là Vas-y, c'est bon. remets-en plein, 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 plein. Jamais essayé ça. Regarde, j'allume. Tu vois? Vas-y, remets-en un. Laisse-moi l'allumer. Vas-y. Ouais, il y en a un seul qui s'est allumé. C'est celui qui a cramé. Ah oh ouais, Donc c'est voilà, on peut activer un creeper grâce à un c'est briquet. vraiment style, hein. Bon allez, je vais faire le mini-jeu moi. Voilà. Donc maintenant mini-jeu. Hein, c'est game mode 1 déjà. Merde. Maintenant game mode. J'ai pété le coffre. C'est vrai? T'es pas sérieux? Si, t'inquiète pas. Coffre. Non, en anglais ça se dit chest. Quelle bête. Mais pourquoi il y a encore un trou? Quel trou? Oh mais y a On va mettre. Ah j'ai une idée, j'ai une idée. On va mettre le coffre là. Ah ouais, bonne idée. Même très bonne idée. Alors, Mais par ça. contre, faut rééquilibrer l'eau. Ouais, t'inquiète. Voilà. Voilà. Ouais, ça devrait suffire en TNT, ça. Ouais. J'en prends juste une pour le moment, donc prends-en pas et je remplis tout seul en créatif pour le premier coup. C'est pas dit qu'on y arrive direct, hein. Ah non. Il n'y a plus de chance. Alors, ça va jouer en une seule manche, hein. Slash game mode 0, t'es prêt? Ouais. Allez mon gars. Je suis mort. Pareil. C'est normal? Ah, ah non, je sais pas, franchement je sais pas. Bon, bah, ça recommence avec le bug, donc on va le faire en game mode 1, non? Ouais, j'avoue. Mais sauf qu'on n'a pas le droit de fly, hein. Ouais. Logique. T'es dedans? Non, bientôt. Pardon, c'est parti. Ok, Arrête. j'arrive. Pourquoi il y a une TNT là-dessus? What the
T'es pas sérieux? Si. Moi j'ai tout pété avec ça. J'ai le diamant. Ah bon, bah Noé il a gagné, moi j'ai tout cassé. Voilà. Bon, et eh bien ça sera tout pour ce tuto. Merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder la chaîne de The Satan, à laisser un pouce vert, laisser un commentaire. Et salut tout le monde, salut! C'est n'importe quoi.